Bonjour, consultants et consultantes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux abonnés, mais surtout bienvenue à vous, peut-être qui est pour la première fois découvrir cette chaîne, peut-être d'aller décider de vous abonner suite à cette vidéo. Bienvenue à vous. Et surtout, merci à tous mes abonnés fidèles. Merci d'être là, merci d'être présents. Merci pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous me faites mon bonheur, je le dis souvent, et si vous êtes abonné depuis un certain temps, vous m'entendez le dire à chaque vidéo, mais vous faites véritablement mon bonheur. Merci de faire partie de cette chaîne, en fait, qui fait mon bonheur et qui me rend si bien avec moi-même. Bref, j'adore faire ce que je fais. Sur ce, il faut que j'arrête de m'étirer, hein, parce que je fais du blabla beaucoup. Moi, si on ne m'arrête pas un petit peu, aujourd'hui, on va aller voir, on sort du sentimental, on sort de se poser des questions sur les autres. On va aller voir, en fait, qu'est-ce que votre guide a à vous dire aujourd'hui. C'est quoi qui est important? C'est quoi que votre guide tient absolument à ce que vous sachiez aujourd'hui? Je suis allée faire chacun des choix, en fait, la carte générale. J'ai utilisé mon oracle magique. Il y en a plusieurs dans cette édition-là. J'ai utilisé mon oracle magique, les anges. Donc, on va aller voir la carte générale, qu'est-ce que votre guide a envie de vous faire connaître, en fait, vous faire, comment dire, valoir, mais plus. Et qu'a envie de vous dire aujourd'hui? On va résumer ça comme ça. Donc, on va aller voir tout de suite, en fait. C'est quoi l'énergie générale du message qu'il a envie de vous transmettre? Voilà. On va aller développer en plus chacun des choix avec deux tarots. Donc, on va aller vraiment vous canaliser, en fait, un message pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Ensuite, la section oracle. Je vais aller avec l'oracle La Voix des âmes d'Isabelle Serre. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est cette boîte-ci qui parle, ma foi, très bien. Donc, on va aller voir quel message va être canalisé pour vous. Et nous irons terminer par mon fidèle, communiquer avec son ange gardien. Donc, on va être en mesure, en fait, d'aller vous canaliser un message plus précisément pour au niveau, en fait, de qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire aujourd'hui, en ce jour ou au moment où vous tombez sur cette vidéo. On se rappelle et on garde en tête que ce sont des énergies qui se veulent générales. Donc, par conséquent, une partie du message vous parle moins. C'est pas plus grave que ça. Mettez-la de côté tout simplement et poursuivez votre écoute. Si malheureusement plusieurs choses ne vous parlent pas à l'intérieur du message, mais dans ce cas-là, c'est peut-être le mauvais choix que vous avez fait pour vous aujourd'hui ou tout simplement que j'ai pas canalisé d'énergie pour vous en ce jour-ci. Pour une guidance privée, vous personnalisé plutôt, hein. Vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également l'adresse du groupe Facebook si vous voulez nous joindre à nous. Si je ne réponds pas tout de suite à votre demande d'adhésion, plutôt un peu, je vais dire d'admission, mais pas d'admission, d'adhésion, laissez-moi juste quelques temps. C'est sûrement parce que je ne suis pas proche, je n'ai pas tout le temps mon sel dans mes mains. Et surtout, ben, parfois, ça m'arrive, je fais dodo. Parce que des fois, j'en reçois pendant la nuit. Sur ce, la meilleure façon de faire votre choix aujourd'hui, c'est d'aller bien vous ancrer dans le moment présent et je vous présente tout de suite les trois choix. Donc, en choix numéro 1, nous avons l'agate mousse. En choix numéro 2, la turquoise. Et en choix numéro 3, aujourd'hui, j'ai mis l'améthyste. Donc, si vous avez besoin d'avoir une image globale et que votre choix n'est toujours pas fait entre ces trois, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause parce que je vais bouger les cartes. Et on débute. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. Allons voir quel message que votre guide a envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc, on va aller voir tout de suite. On a la carte abondance. Ah, ben, ça commence bien, hein? On va canaliser des beaux messages aujourd'hui, hein? Donc, on a la carte abondance. On va aller voir dans quelle abondance, en fait, que vous avez, hein? C'est quoi l'abondance qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Pour ce faire, je vais tout de suite débuter avec ce tarot-ci. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, quel message votre guide a envie de vous transmettre? Quel message votre guide a envie de vous transmettre? Quel message votre guide? Votre guide a envie de vous transmettre. Là, j'ai vu le 7 de denier, mais il n'a pas chuté. 7 de denier, c'est investir pour son avenir, hein, de semer dans le but de récolter. Donc, c'est peut-être ça, peut-être qu'on a semé puis on va récolter. Est-ce que l'abondance n'est seule? Oups, on en a une carte. Cavalier de coupe. L'abondance pourrait être au niveau de l'amour. Donc, je m'en allais dire, est-ce que l'abondance est seulement au niveau financier? Ben, avec les pièces d'or, on se dirait oui, hein? C'est sûr, c'est beaucoup plus simple de penser abondance, finance, mais
pas que. L'abondance peut être au niveau du bonheur et ce que je vous souhaite au niveau de l'amour aussi également, et c'est ce que je vous souhaite également. Et certes, ça peut être au niveau financier également. Là, on a un cavalier de coupe, donc on a comme beaucoup d'amour qui arrive vers vous. Est-ce que c'est votre guide qui vous envoie beaucoup d'amour? On va aller voir tout de suite. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, on a ici des célébrations qui arrivent vers vous. Ah, ben là, je vous la souhaite. Hein? Si on parle d'abondance financière, peut-être des gains hein, qui pourraient être faits cette semaine, ça serait bien. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire? Quel message votre guide a envie de vous transmettre? Ben, écoutez, mes beaux poulets d'amour! On parle d'abondance, on parle de réalisation des souhaits. Puis le 6 de denier me parle de générosité, donc de redonner à son suivant. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une belle abondance qui arrive vers vous et je vous la souhaite vraiment de tout cœur. Allons voir un peu plus loin, ça commence à être fichtrement très intéressant ce tirage. Je m'étais dit, on va faire un message à votre guide. Les derniers jours ont été, je ne sais pas ceux et celles qui suivent mes vidéos, les derniers jours ont été un petit peu plus ardus et questions de messages transmis, mais surtout par les sujets qu'on avait choisis, que j'avais choisi. Mais là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va avoir du beau grand positif. Hein? Donc, on va aller voir. Quel message qu'on a envie de vous transmettre. On se sent pris au piège présentement dans une situation. On sent qu'on est pris entre l'écorce et l'arbre. Hein? Qu'est-ce qu'on a ici? Hey! Je pense que ça va... Ben oui, ça va vous causer dans les doutes. Plusieurs possibilités vont s'ouvrir à vous. Et on a ici la reine de coupe. Hein? Donc, on a... En fait, beaucoup d'amour qui arrive vers vous, mais surtout ce que je ressens en fait. Puis là, ça devient très intéressant parce que ceux et celles qui ont vu la coupe, c'est exactement les mêmes cartes qui sont sorties ici. Oui, mais tu vas me dire, c'est dans le passé, Virginie. Oui, mais là, on avait une espérance d'avoir des gains. C'est comme si on avait souhaité ce qui arrive. Puis là, on va avoir souhaité. Ça risque de vous mettre, par contre, vous sentir pris dans la situation. Parce que, ben écoutez, si l'abondance arrive surtout, puis là, je vous le souhaite, un gain à la loto, ça serait-tu merveilleux, hein? J'ai-tu le droit de me le souhaiter moi aussi? Ben oui, on a tout le droit de se le souhaiter. Mais, en fait, ce qu'on vous annonce, en fait, ici, c'est que vous, ça, vous pourriez vous sentir pris au piège. Donc, ça peut être un grand flux d'abondance, en fait, qui arrive vers vous, puis là, je vous en souhaite. C'est sûr qu'il va y avoir plusieurs niveaux d'abondance qui vont arriver vers vous, consultants et consultantes, mais ce qu'on sent, en fait, ici, c'est qu'on voit quand même que ça pourrait, vous pourriez être surpris. Puis là, on se sent un petit peu pris au piège. Hein? Puis là, pris au piège, dans quel niveau? Bien, quand on a une grosse dose d'abondance, ou peut-être qu'on peut avoir le poste qu'on a longtemps souhaité, bien, ça arrive peut-être un coup, puis on fait « Oh mon Dieu, attends, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? » Puis c'est là que le 7 de coupe intervient. 7 de coupe qui nous parle de plusieurs possibilités, de se mettre dans les doutes, d'avoir peur d'être dans les illusions. Donc, oui, on l'espère, c'est ça qu'on veut. Puis quand ça arrive, bien là, parfois, on est un petit peu plus sur nos freins, sur nos gardes, ce qui peut arriver. Malgré tout, consultant et consultante, ça s'annonce de très bon augure, votre tirage. Hein? Allons continuer à vérifier qu'est-ce qui s'annonce. Oui. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le premier choix. Le magicien, vous êtes au début de quelque chose. C'est comme si quelque chose de vraiment beau qui vous arrive. Là, c'est incroyable. OK. Qu'est-ce que votre guide a envie de savoir? Vous allez devoir couper dans ce qui est superflu, OK? Ça, là, ça peut concerner ceux et celles, là, ils attendent l'abondance, mais il va falloir faire des gestes. Ça, je l'ai dit souvent là, dans mes autres guidances, hein, les guides sont là, sont généreux, sont là pour nous guider, hein, on se rappelle, ils ne sont pas là pour nous donner ce qu'on désire, sont là pour nous guider dans nos décisions, en fait, ce qui s'en vient des fois vers nous. Mais ce que ça nous dit, en fait, c'est que vous allez devoir quand même agir dans un sens pour pouvoir obtenir. Donc, par conséquent, bien, il y a des choses qu'il va falloir. S'il y a des personnes qui sont de mauvaise augure puis vous vous sentez pris au piège à cause de ces personnes-là, bien, on va nous indiquer ici de couper dans la situation, en fait. On va aller voir maintenant avec ce deuxième tarot. Là, ça tombe. On a un message qui est guidé. Bien, j'espère, parce que c'est au guide que je demande.
On nous parle aussi de liens nostalgiques. C'est peut-être quelque chose qu'on souhaite de plus longtemps. Ça peut être au niveau financier. Encore là, je l'ai dit, au niveau amoureux, ça peut être au niveau d'un poste au travail. On le souhaite depuis longtemps. Puis là, on sent qu'on ne peut pas rien faire pour l'instant, mais on va obtenir. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez obtenir même plus que vous avez demandé. Parce qu'avec ce set de couple-là, on parle de plusieurs possibilités. On parle surtout de... Là, je vais regarder plusieurs possibilités, c'est ce que j'entends. OK. Reine de denier, donc on pourrait me parler ici de vous, consultant ou consultante. On parle d'abondance encore une fois avec le denier. Ici, on va avoir l'impression d'avoir peur de perdre. Donc, c'est comme si vous allez obtenir beaucoup d'un coup. Beaucoup, puis là, ça nous donne en fait comment dire, cette espèce de retenue. Oui, cette espèce de peur, là, c'est comme trop beau pour être vrai. Puis on ne veut pas démordre en fait de ce qu'on va obtenir. Il faut laisser les choses. Que si vous l'avez accordé, c'est parce que vous avez travaillé en ce sens-là également. Alors, qu'est-ce que votre guide a envie de vous transmettre comme message aujourd'hui? Roi de denier, neuf de denier. Écoutez, c'est une très belle et grande réussite qu'on vous annonce. Là, j'aime ça, je ne vais pas me le faire une fois par semaine, mais message de votre guide. C'est du positif, c'est du gros bonbon. Ce tirage-là, c'est vraiment agréable. On va aller voir ici dans le passé. Okay. Puis ici, dans l'avenir, ah oui, c'est quelque chose qu'on a. Hey, regardez encore une fois le magicien. OK. C'est quelque chose qu'on aura attendu un certain temps. C'est quelque chose qu'on a demandé. Ça fait longtemps qu'on demande. Là, à quel niveau financier? Là, vous le savez. Le message que je suis en train de vous transmettre, en énergie générale, peut concerner plusieurs domaines. Vous le savez, c'est quoi que ça fait longtemps que vous avez demandé. Vous le savez dans quelle situation vous vous sentez pris au piège, pas être en mesure de bouger ou de prendre une décision. Vous le savez dans quoi que vous allez vous sentir que si vous obtenez, ça va vous causer des doutes ou vous allez peut-être faire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va arriver? D'accord? Ça, vous le savez, vous le sentez, fiez-vous à vos intuitions, je ne le dirai jamais assez souvent, pas personne de mieux placé que vous-même. Vous avez, dans une situation, en fait, dans le passé, on s'est coupé, hein, donc on avait beaucoup d'espérance, puis là, on se coupe dans cette situation-là. Ici, le roi de denier, en fait, on a passé de roi d'épée à roi de denier. Donc, on a changé notre perspective parce que là, présentement, on est en abondance et on reçoit. Puis, on reçoit pas à peu près mes consultants parce qu'ici, avec le 9 de denier, c'est une très grande réussite qui arrive vers vous. Une grande réussite que vous seul aurez travaillé, en fait, que vous seul aurez, vous serez parvenu à travailler. Donc, là, j'ai vraiment hâte, en fait, d'aller voir avec les oracles qu'est-ce qu'on va nous annoncer. Ça augure très bien. On me dit que oui, c'est quelque chose. Puis, faites attention, là, ça peut nous signifier aussi que ça prendrait du temps à obtenir l'abondance pour ceux et celles qui la souhaitent, mais qui ne sont pas prêtes à faire les gestes. Là, ce n'est pas une leçon de vie que je suis en train de faire là, hein? Wow! Mais par expérience, même si on demande à nos guides, puis qu'on prie fort, 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 même avec les larmes dans les yeux, puis qu'on prie à tous les jours, si on n'est pas prête à faire des gestes concrets dans ce sens-là, il n'y a pas grand-chose qui va arriver, en fait. OK, alors allons-y. Donc, quel message qu'on veut transmettre à mes abonnés? À mes abonnés, ben oui, à mes consultants et consultantes qui m'écoutent présentement. Entre autres, à mes abonnés. Peut-être que vous n'êtes pas abonné déjà, tu sais, faut pas prétendre que vous allez vous abonner non plus. Mais, ça serait un beau message d'abondance pour moi. Mais non, trop de cartes, allez. Je vais peut-être essayer de l'autre côté aujourd'hui. Des fois, ça arrive. Hein. Non, ça marche pas. Mes mains pleines de pouces aujourd'hui. On n'est pas prêt. On va me livrer le message quand on va être prêt. Voilà. Respect. OK. Respect, respect de soi, respect de ses limites. Respect aussi des conditions. Là, des conditions, Virginie. Ben oui, conditions, en fait. Donc, comme je vous disais, il faut être prêt à faire des gestes concrets dans ce sens-là, en fait, pour pouvoir éventuellement obtenir ce que nous désirons. Mais j'ai l'impression qu'ici, l'abondance que vous souhaitez va apprendre. On me dit ici qu'il va arriver, en fait. Apprentissage des guides. OK. Respect de l'apprentissage qu'on obtient de nos guides. Donc, des leçons, en fait, qu'on nous envoie. En fait, aussi de ce que on. Et qu'est-ce qu'on a ici? Oh. Attendez, là, trois cartes, là, j'en ai trop. J'en ai une. J'ai une, il m'en sort quatre.
Allez, une dernière, s'il vous plaît. Trop, mon Dieu, mais ils sont bien énervés aujourd'hui. Bon, celle-là, naturellement, là, ils attendent, puis celle qui me sort, ils me pitchent à l'autre bout. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Calme. Je pense qu'on a reçu comme il faut les leçons. Je pense qu'on sait exactement quoi faire aussi pour aller vers l'abondance. Tantôt, je vous parlais de couper dans certaines choses autour de vous. Donc, d'être prêt à faire des gestes concrets dans ce sens-là pour aller obtenir l'abondance. Comme je l'ai dit, l'abondance peut se présenter sous plusieurs formes. Ça peut être au niveau de l'affection, ça peut être au niveau sentimental, naturellement, pour certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça va être au niveau du financier, hein? Donc, pour d'autres, ça va être vraiment au niveau financier qu'on va obtenir cette abondance-là, parce que c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut. Puis je vous donne un exemple concret. Si, admettons, c'est au niveau financier, puis la meilleure façon, c'est de compléter, je sais pas, vous savez que ben vous êtes appelé à faire des études parce que c'est le message que vous êtes porté, guidé par vos guides. Ben si vous êtes, faut apprendre quelque chose ou faut se lancer dans des études, ben il faut faire des gestes concrets. Donc on va s'inscrire, puis par la suite, s'inscrire à ce cours-là, puis par la suite, ben l'abondance va rentrer dans votre vie. Donc, je pense que c'est vraiment ça dans le respect de l'apprentissage qu'on a de nos guides, puis on le fait dans le calme, naturellement. Donc, on s'attend naturellement avec le calme, je ne m'attends pas à de la vitesse, je ne m'attends pas à quelque chose qui va très vite, mais c'est quelque chose qui va arriver. Donc, l'abondance arrivera. On vous certifie, en fait, avec ce tirage-là, que l'abondance arrivera dans votre vie. OK? Allons continuer. Donc, sur le respect, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? Wow, 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 attendez, là. Mon Dieu, aujourd'hui, mes mains. Pourtant. J'ai une carte. Ici, on me parle de message d'alerte. Message d'alerte sur le respect. Ah, respect de soi. Peut-être qu'ici, on vous signifie souvent, d'ailleurs, que c'est quelque chose que vous devez faire. Hein, vous devez faire pour vous. Vous devez vous respecter. En fait, vous devez respecter vos limites aussi. Respecter aussi que les autres, des fois, si les autres sont trop prenants dans votre vie, vous avez besoin de prendre du temps pour vous pour aller vers cette abondance-là. C'est de l'abondance dans du temps que vous vous accordez également, vous comprenez? Il y a plusieurs formes d'abondance. Moi, je pense, c'est sûr que l'abondance, première idée, moi, je pense au niveau financier. Ça peut être au niveau du bonheur également. Hein? Sur l'apprentissage. Sur l'apprentissage, on va y arriver, mes poulets, je vous le promets. On a des regrets. OK. Apprendre de nos regrets pour pouvoir avancer. Faut pas avoir de regrets. Hein? Chaque chose, à moins qu'on n'ait pas essayé, moi, je pense que, ou on vous dit, apprends de tes regrets. Si tu as regretté un geste dans le passé chez toi, ou que tu n'as pas accompli, ben, organisez-vous pour pas répéter en fait ce schéma-là. OK? Sur les guides, qu'est-ce qu'on a? Wow! Je vous dis aujourd'hui, je ne sais pas ce que ce jeu-là, là. Sur les guides, la source. Ben oui. Je mande un message à votre guide, puis on me dit que ça vient de la source. Ben, c'est parfait. Sur le calme, qu'est-ce qu'on a ici également? Souffrance physique. Donc, présentement, on ne va pas super, puis on nous parle du bonheur qui arrive. Donc, c'est vraiment. Puis, regardez, j'ai regardé mon dos de deck. Je regarde mon dos de deck, je vous le donne. Donc, on me parle ici de retrouvailles. Là aussi, on pourrait parler d'abondance. Donc, vous souffrez à quelque part, il y a quelqu'un qui ne sait pas, puis on vit des regrets face à cette relation-là. Puis, on va retrouver, donc, on aura l'abondance. C'est peut-être ça aussi qui nous fait sentir enfermés. Tout de même, mes consultants et consultantes, on se rappelle que ça demande du temps et ça demande des actions de votre part. Il n'y aura rien de gratuit. J'aimerais ça vous annoncer ça par contre. C'est gratuit, vous avez obtenu tout ce que vous voulez cette semaine. Tu fais même des deux pour un. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Toujours avoir des gestes concrets de votre côté pour pouvoir obtenir éventuellement de l'autre côté. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça sera des retrouvailles avec quelqu'un. Sinon, si moi, c'est au côté financier ou c'est finalement le travail que j'ai toujours voulu que je veux avoir dans l'abondance, Virginie.
Mais ce qu'on vous annonce ici, en fait, c'est qu'on va parler d'une retrouvaille avec vous-même. Donc, vous allez vraiment vous retrouver face à ce que vous désirez réellement. D'accord? Allons vous chercher maintenant votre message de votre guide pour aujourd'hui. Wow! Quand je vous ai dit dans le travail, c'est vous retrouver avec vous-même, regardez la carte qu'on a obtenue, ta mission de vie. Donc, on me parle ici de ta mission de vie et il sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Mes consultants et consultantes, j'ai l'impression que l'abondance viendra suite à une retrouvaille avec vous-même, suite en fait à vous placer directement dans votre mission de vie. Oui, il y a des souffrances physiques parce que présentement, nous ne nous sentons pas sur notre X ou nous ne nous sentons pas nécessairement dans un bon endroit au niveau de notre vie. Mais ce qu'on nous indique, c'est que le bonheur est au bout de ce chemin, en fait. Il y a juste quelques gestes qui nous restent à faire. Votre guide vous confirme, en fait, qu'il y aura abondance suite à ça. Et on vous confirme également que le guide, qui vient directement de la source, d'aller retrouver aussi votre source intérieure. Donc, votre mission de vie, c'est vous retrouver véritablement face à vous-même, en fait. Lorsqu'on se trouve en fait sa mission de vie, je devrais dire, il n'y a pas un sentiment d'accomplissement et d'abondance plus grand qu'au moment où on est en plein sur son X. Moi, j'aime ça dire ça sur son X, mais c'est être au bon endroit au bon moment. Être vraiment dans ce qu'on est supposé faire, en fait. Je pense que vous allez de toute façon être de plus en plus heureux, heureuse. Donc, le bonheur vient, l'abondance vient. Il n'y a pas de problème lorsque vous êtes vraiment dans votre mission de vie. C'est ce qui complète ce merveilleux choix. J'adore faire des messages de vos guides parce que ben ça nous donne des beaux messages comme ça. Puis, ça fait toujours du bien d'aller voir ce que notre guide en fait a envie de nous transmettre comme message au moment même de cette guidance. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, même si vous devez être entouré. Écoutez vos intuitions, écoutez vraiment aussi vos intuitions face à votre guide. J'ai vraiment l'impression qu'un grand souhait d'abondance va être peu réalisé pour vous. Qu'importe sous quelle forme ça se présente, l'abondance, on se rappelle. Hein. Ça peut être sur plusieurs formes, mais j'ai vraiment l'impression ici que sous peu, vous allez être dans la grande et belle abondance, mes poulets. Prenez soin de vous. Hein. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à lundi pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de la turquoise. Quel message votre guide a envie de vous transmettre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a envie de vous éclairer? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire en fait? Donc il va profiter de cette plateforme pour aller vous transmettre un message et ça commence avec Onirique. Onirique, c'est le monde des rêves. Donc j'ai vraiment l'impression que vous devez recevoir beaucoup de messages à travers vos rêves ces temps-ci. Si vous n'en avez pas l'impression, en fait, de recevoir des messages à travers vos rêves, vous me dites « Ah, oh, moi, je ne me souviens pas de mes rêves. » Essayez de demander. Puis là, ça a de l'air bête. Vous allez dire « Ben voyons donc, Virginie. » Non, non, pas vrai. OK? On se fait confiance, là. Bon, on y va une à la fois. Avant de vous coucher le soir, dites « Demain matin, je vais m'avoir souvenu de mes rêves. » Là, j'entends déjà. Voyons, on ne peut pas être aussi simple que ça, Virginie. Je vous le dis, ça marche. Ma mère aussi, puis ça, c'est pas la première fois que je le donne comme conseil. Ma mère, elle me disait aussi couche-toi avec un verre d'eau sur ta table de chevet. OK? Puis avant de vous coucher, prenez une gorgée d'eau dans ce verre-là. Puis là, c'est les conseils de la maman Virginie. Ils ne peuvent pas être mauvais, là. Prenez une gorgée d'eau, en fait, de votre verre, vous la redéposez sur votre table de chevet. La première chose que vous faites le matin en vous levant, là, c'est reprendre une gorgée de ce verre d'eau. Là, vous allez me dire, bien là, il a traîné là toute la nuit. C'est pas grave, là, vous n'allez pas mourir, hein, il n'y aura rien qui va vous arriver. Puis, bien, c'est ça. Puis, ça l'aide à se souvenir de ses rêves. Mais il y a aussi la pensée de se coucher vraiment le soir. Puis ça, c'est le conseil de Virginie. Donc, vous avez le conseil de maman à Virginie, le conseil de Virginie. Appelez-le. Dites tout simplement, demain, j'aimerais me souvenir de mes rêves. Parce que j'ai l'impression que votre guide tente de vous transmettre des messages. Si ça ne fonctionne pas, bien, soyez à l'affût dans les prochains jours, en fait, des signes que vous allez avoir de l'univers. Il faut faire attention, là, mes poulets, de ne pas voir des signes où est-ce qu'il n'y en a pas. Mais faites-vous confiance, vous devriez avoir les bons signes qui arrivent vers vous. OK, on va aller commencer avec ce tarot-là. J'ai envie d'y aller avec celui-là. J'espère qu'on ne perdra pas trop l'éclairage parce qu'il faut savoir que j'ai eu droit à une petite panne électrique aujourd'hui. Fait qu'il a fallu que j'arrête mes enregistrements. Fait que j'espère que ça va bien aller pour la suite. Sinon, on va changer d'éclairage. Pas plus compliqué que ça, mes poulets. Mais quand même, on voit plus mes chandelles. Je ne sais pas si... Regardez... C'est rare qu'on voit l'éclairage de mes chandelles, mais là, on le voit sur mes cartes.
On est à la chandelle, mes poulets, à la chandelle. Alors, quel message que votre guide a envie de vous transmettre, constant et constant, qui auront fait le choix numéro 2? Allons voir ça tout de suite. Oh mon Dieu, mes poulets, je pense, je sais pourquoi votre guide tente de vous rejoindre. Et puis là, ça fait 2 fois que j'ai des beaux messages, là. Je vous dis, je vais le ramener à chaque semaine, ce tirage-là. Il faut dire que les derniers jours ont été un petit peu plus ardus côté guidance sur ma chaîne. Hein. Il y avait des messages un peu plus heureux. Fait que ça fait du bien d'avoir du léger aujourd'hui. Hein. OK, donc j'arrête de m'éparpiller. Je reviens à mes cartes. Donc, on me parle ici de la reine de terre, reine de terre, reine de bâton, en fait. Non, reine de denier. Donc, on peut me parler ici de vous, consultant, et on me parle ici d'abondance. Donc, on vous annonce ici une réalisation de souhait. Puis, je pense qu'on tente de vous envoyer le message. Peut-être que vous vous en faites présentement. On ne voit pas les choses aller. Ce qu'on essaie de m'indiquer, en fait, ici, mes consultants, c'est que ça s'en vient. Là, des fois, c'est parce que ça prend tellement de temps avant d'arriver qu'on peut pas qu'on perd espoir, mais oui. Hein? Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, quel message votre guide a envie de vous lancer? Attends une minute, j'ai eu les mains pleines de bousses. Messager d'arbre, parfait, hein? C'est un message des guides. OK, bien, on continue. Là, je vais avoir plus de cartes parce que ça ne me dit pas grand-chose. Ça me dit que vous recevez un message de votre guide. Non. Pour vrai? C'est exactement ce qu'on voulait. Qu'est-ce qu'on a ici? 6 de terre, 6 de denier. On me parle ici que dans le passé, en fait, on a fait preuve d'une grande générosité. Donc, votre guide est en train de vous dire, en fait, c'est que vous êtes une personne généreuse. Donc, c'est sûrement une petite tape sur l'épaule qu'il vous donne. Hein? Puis, on va aller voir qu'est-ce que ça va donner d'avoir été généreux avec les gens autour de vous. OK. Donc, écoutez, je vais le dire comme je le sens. Je vous entends dire, ben j'espère. OK, donc ce que je ressens ici, le roi d'as, c'est un roi d'épée. Le roi d'épée, ceux et celles qui suivent, là, on est habitué, c'est la personne qui est présentement coupée, en fait. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas de communication, quelqu'un avec qui on est coupé en communication. C'est beaucoup, un homme beaucoup plus dans son mental que dans son émotif. Donc, par conséquent, quelqu'un qui est très ouvert présentement. C'est sûrement lui que vous espérez, en fait. Vous avez sûrement été très généreux, généreuse avec cette personne-là. Est-ce que ça peut être une femme? Oui, ça peut être une femme. Elle est simplement en énergie masculine. D'accord? On vous annonce que la roue tourne avec cet homme-là ou cette femme-là. OK? Donc, cette personne-là qui est coupée dans votre vie présentement, qui ne vous parle pas ou qui va vraiment au compte-gouttes, mais on vous dit que la roue tourne. On s'en va vers quelque chose de beaucoup mieux avec cette personne-là. Celle-là. Je me demandais quel tarot utiliser en deuxième lieu. On va y aller avec celui-ci. Il est-tu magnifique, hein, ce tarot-là? C'est incroyable. La seule raison pour laquelle, parce que vous ne pouvez pas le voir, en tout cas, ceux et celles qui me suivent, là, on ne le voit pas souvent dans les guidances, je le trouve juste dur à manipuler. En fait, là, il est moins pire que le tarot des flammes jumelles. Excusez-moi, je fais une petite parenthèse, ceux et celles qui, c'est la première fois qu'ils tombent sur la chaîne. Ah oh, je suis ce type-là, je fais des parenthèses tout le temps. Mais bon, fait que, il est juste dur à manipuler, mais sinon, les images sont de toute beauté. Vraiment, là, c'est une. Waouh, j'aime beaucoup. Mais je vais essayer de. Peut-être en manipulant de plus en plus souvent, il va devenir, je vais en dire, plus mou, mais je ne sais pas si vous allez comprendre, mais les cartes un peu plus molles, plus facile à manipuler. Parce que je le trouve vraiment de toute beauté. Surtout cette carte-là. Hein? OK, bon, j'arrête de m'étaler. Je pose la question. Allez, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, quel message leur guide a envie de leur transmettre? Quel message leur guide a envie de leur transmettre, s'il vous plaît? Je sais ce qu'on a envie de vous transmettre comme message. OK, puis c'est un message quand même qui est. Réjouissant. Quand je vous dis que ça va aller de mieux en mieux que cette énergie-là qui est coupée, on vous dit que vous ressentez présentement un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. Moi, je pense que c'est avec quelqu'un. OK? Donc, est-ce que c'est absolument au côté sentimental, Virginie? Non. OK? Ça peut être au côté amical. On a coupé les ponts avec un ami, puis là, c'est coupé, puis on se pose la question, oh, mon Dieu, il va-tu revenir au contact ou on va-tu se retrouver? Ça peut être tout simplement ça, là, mes poulets. OK? Donc, on a ici une situation dans laquelle on se sent en défaite, on ne sent pas qu'il y a de solution dans cette situation-là. Puis, on arrive quoi dans une situation où est-ce qu'on a envie d'établir quelque chose pour le futur, OK? Oui, le 4 de bâton va me parler vraiment du côté sentimental, mais pas que, OK? Donc, on pourrait vouloir établir, en fait, on veut retrouver cet ami-là ou ce membre de cette famille-là, de notre famille, en fait, pour que dans la suite, en fait, ça reste, puis qu'il reste avec nous. Donc, ça peut être tout simplement ça.
Mon Dieu, j'avais fait tout un brassé. Ma carte a tombé, pratiquement partie au vent. Oups, qu'est-ce qu'on a le message qui arrive. On a des doutes face à quelque chose à lequel on tient vraiment à cœur. Encore une fois, j'ai cette impression ici que là, votre guide, en fait, qui tente absolument de vous envoyer un message présentement à vos rêves, ou peut-être que vous avez rêvé à ce retour chez cette personne-là. Puis là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est qu'on vous annonce, ben, écoutez, là, fie-toi tes rêves, fie-toi ce que tu as rêvé, fie-toi au message qu'on t'a envoyé parce que cette personne-là revient, ou parce que vous allez retrouver communication avec cette personne-là. OK? Parce que vous avez beaucoup de doutes face à ça présentement. Trop. Bon, mais là, c'est. En tout cas, vos guides, ils sont vraiment affirmatifs, mes poulets. Choix numéro 2, là, les cartes revolent là-bas. On dirait qu'elles ne revolent pas dans mes chandelles, on va être correct. Ouch, mes oreilles. Alors, mes belles impératrices, on obtient ce qu'on désire. Je vous explique. Dans le passé, on avait une situation où on se sentait présentement. Voyez-vous, les amoureux, oui, ça pourrait vraiment nous parler au côté sentimental, amoureux, à cause de cette carte-là, mais pas que, c'est relationnel. OK? Donc, encore une fois, je sens que c'est relationnel. On avait vraiment cette impression de réussite, de succès avec cette personne-là. C'est ça qui nous manque. Puis là, on a des doutes parce que peut-être que la situation perdure dans le temps. On vous dit de faire preuve encore de force et courage, mais vous allez vraiment obtenir ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Donc, on a vraiment ici, en fait, on vous annonce que la roue est en train de tourner, que même si on ne voit pas les événements qui surviennent avec cette personne-là, les événements sont en train de tourner. On vous dit oui, il vous manque encore un petit peu, vous devez faire preuve encore un petit peu de force et courage dans cette situation-là, mais vous allez trouver un équilibre certain. On a quoi ici? Ce n'est pas moi. Message de libération. Ben, c'est peut-être pas vous qui avez à faire les premiers pas, hein? Peut-être c'est cette personne-là qui arrivera vers vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme carte? Trop. Attends une minute. Ouh! Soumission et message d'apaisement. OK, soumission. D'accepter. Moi, ce que j'entends plutôt, c'est d'accepter, en fait, que les événements vont découler de cette personne-là et pas de vous. Donc, vous n'avez aucune emprise sur la situation. Céder le contrôle. Peut-être pas être soumis, là. Il faut faire attention parce que là, on peut voir ça de façon péjorative, mais c'est pas comme ça que je veux là. Attendez une minute, là. Une expression que certaines de ma chaîne ont vraiment aimé la semaine passée, mais j'ai l'impression que je vais vous dire, je vais vous le cracher, vous le lirez, là, parce que des fois, ça s'enfourche dans ma bouche. Vous n'avez aucune emprise, OK? Donc, on ne voit pas le côté soumis comme être soumis. On voit plutôt le côté soumis de façon qu'on n'a pas d'emprise. Ce n'est pas nous, à nous, à bouger. Moi, je pense que c'est pour ça que ce n'est pas moi. Puis on vous dit, libérez-vous, là. Ce n'est pas vous qui êtes en tort dans cette situation-là. Puis là, je sais que je vais avoir des commentaires. Donc, je savais que ce n'est pas moi qui étais en tort. On vous le confirme, OK? Votre guide vous dit, écoute, tu as tout fait ce que tu peux faire dans cette situation-là. Ce n'est pas toi. C'est pour ça qu'on a un message de libération. On nous parle ici de soumission, donc accepter que les événements ne découleront pas de vous également. Et accepter, en fait, pas d'être soumis, là, c'est ça que je veux pas, là. Accepter de perdre le contrôle dans cette situation-là. Ce n'est pas à vous à gérer ce contrôle-là. On parle ici de message d'apaisement. Ben oui, soyez apaisés par le tout, parce que vous allez obtenir ce que vous désirez. Mais encore une fois, va falloir être patiente. Oups, j'en ai échappé deux. Ce n'est pas moi, amour. Donc là, ça se confirme que ça soit amoureux. Libération sur quoi? Ben, sur vos peurs. Hein? Donc, on s'arrête de s'en faire aussi, cette personne-là, même si on ne voit pas les choses aller. Qu'est-ce qu'on a dit? Les événements tournent en notre faveur. Là, j'espère que je vais avoir assez de luminosité pour finir mon tirage. Sur soumission, on parle message libre. Ben, je pense que je voulais donner le message libre. Là, on ne parle pas de soumission comme dans le fait d'être soumis, mais plutôt d'en laisser le contrôle, hein, de perdre le contrôle dans cette situation-là, puis c'est pas nous qui vont contrôler cette situation. Sur le message d'apaisement, allez, mes petits guides, une dernière carte pour mes consultants et consultants. On parle d'enfants, on parle de retrouvailles. Ben écoutez, là, je vous l'ai dit, sur le message d'apaisement, ben, les retrouvailles, puis l'enfant, ben, je pense, je l'entends plutôt dans le cœur d'enfant, on a retrouvé son cœur d'enfant, puis on me dit que c'est un message à transmettre. Donc, c'est un message à vous certifier. On arrête de s'en faire. Ici, consultant et consultante, si vous espérez le retour de cette personne, on vous dit que même si on ne voit pas les choses aller, c'est quelque chose qui s'en vient vers vous.
Je vais aller vous chercher votre carte conseil de votre guide. Wow, j'en ai eu deux. Excusez, c'est parce que ça est arrivé. Oh, regardez. Je vous ai dit, hein, c'est pas. Même si on ne voit pas les choses aller. Je voulais votre première carte. Ta perception n'est pas la réalité. Eh bien, donc fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Est-ce bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Autrement dit, même si on ne voit pas les choses aller, ça ne veut pas dire que cette personne-là ne reviendra pas. D'accord? Et maintenant, regarde à l'intérieur de toi. Donc, tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes des réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Sur ces mots très justes, les consultants, c'est ce qui met fin au choix numéro 2 d'aujourd'hui. Quel beau choix! C'est vraiment, j'adore faire ces tirages-là sur le message de vos guides. C'est pour moi des messages très apaisants, en fait, pour mon âme. Sur ce, je vous envoie tout mon amour. Hein. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à lundi pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'améthyste. Là, on va se croiser les doigts pour que j'aie assez d'éclairage qu'à la fin. Là, vous ne le voyez pas, hein, mais là, l'éclairage descend très, très vite parce qu'il a fallu que je fasse une petite pause aujourd'hui. Bref, là, je m'égare encore. Je me tais. Je passe au tirage. Donc, qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire présentement aujourd'hui? On me parle du guide. Bon, ben écoutons. OK, donc on va aller voir vraiment un message ici qui est véritablement guidé. J'ai envie d'y aller encore avec ce tarot-là que je n'utilise pas souvent, mais que, mon Dieu, je trouve magnifique. OK. Alors, allez-y tout de suite. On va aller voir, en fait, quel message que votre guide a envie de vous transmettre. Quel message que votre guide a envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 3, quel message, qu'est-ce qu'on a eu? La lune, on a des doutes ici. OK, donc peut-être pour ça le message guidé, on vit des doutes. On va aller voir ici, quel message votre guide a envie de vous. Oh! Ben franchement, aujourd'hui, là, mes poulets, j'ai des beaux tirages, qu'importe le choix que vous aurez fait. Là. OK, la tour, quelque chose qui arrive subitement. OK, ben des fois la tour n'est pas garante d'une bonne nouvelle. Sauf aujourd'hui, parce qu'elle vient avec le 10 d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire le 10 d'eau? Ben, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quoi? C'est la réalisation des contes de fées. Qu'est-ce qui arrive subitement dans votre vie? La réalisation d'un conte de fées. Donc, on a des doutes, oui. Là, notre guide il est là. Attends, je vais te le montrer qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Alors. Pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, quel message leur guide a envie de leur transmettre? Oh, on a d'après une carte, 7 d'eau. Beaucoup de doutes, encore une fois, le 7 d'eau, la lune qu'on a eu hein, pour commencer. Puis le 7 d'eau va m'expliquer aussi les doutes. Qu'est-ce qu'on a essayé dans le passé? La patience, OK. Il y a quelque chose que ça a pris du temps avant que vous obteniez, quelque chose que ça fait longtemps qu'on attend aussi. Messager de terre, donc le messager de denier. Encore une fois, une question de temps. Puis qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Le 8 d'air, on s'en prend dans une situation. OK. Bon, décortiquons le tout. Donc, ce qu'on voit ici, en fait, mes consultants, c'est que vous avez dans une situation, puis en vous disant ça, il y a une situation qui vient tout de suite dans votre tête. Une situation qu'on a beaucoup de doutes, là, vraiment, parce qu'on a eu la lune qui a tombé, puis là, on a le 7 d'eau qui est 7 de coupe, 7 de coupe qui me dit les doutes. OK? On a fait preuve d'énormément de patience. Puis on nous dit, il vous en reste encore de la patience. Parce que ça, le messager de terre, c'est comme mon cavalier de denier. Mon cavalier de denier, il avance lentement, mais il avance sûrement. Mais il avance lentement. Et ouais. Puis on me dit ici le 8 d'air. 8 d'air qui équivaut au 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est un sentiment d'être emprisonné, un sentiment de se sentir pris au piège. Donc, par conséquent, il y a une situation à laquelle on attend beaucoup, qu'on continue d'attendre parce qu'on se sent plutôt pris au piège dans cette situation-là. C'est une situation à laquelle il y a beaucoup de doutes parce qu'on a fait preuve de patience et on nous en demande encore.
Donc, par conséquent, c'est pour ça que ça vous cause des doutes dans cette situation-là. OK. Là, j'ai oui, mais qu'est-ce que votre guide veut vous transmettre comme message? Là, on me dit que vous allez encore attendre. Quel message, le guide, on me dit, un message guidé, mais oui, le cavalier d'épée. On me dit qu'on va mettre fin à une situation qui est douloureuse bientôt. OK. Pour les consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, quel message leur guide a envie de leur transmettre? OK, on sent ici, je pense que c'est ça qu'on s'est pris au piège. Ici, j'ai un roi d'épée. Donc, on a une situation dans laquelle, en fait, il y a quelqu'un qui est complètement fermé à la communication avec nous. Puis, on sent ici, en fait, un sentiment de perte présentement. Puis là, c'est peut-être ça. Là, on espère ou on le sent que cette personne-là va revenir. Puis là, on éprouve beaucoup de doutes. On peut éprouver beaucoup de doutes. Puis là, je fais une mini-parenthèse face à un lien. Hein? Donc, on pourrait avoir beaucoup de doutes vis-à-vis un lien d'âme qu'on a parce que là, ça n'arrive pas parce qu'on attend. Puis, on vous dit, écoute, oui, tu te sens présentement en perte. Il te reste encore de l'attente à faire. Présentement, dans la situation dans laquelle tu te sens pris au piège, oui, il te reste encore de l'attente. Mais si on vous annonce qu'il vous reste de l'attente, c'est parce qu'on vous annonce que cette personne-là reviendra. 1 plus 1 égale 2, pour moi, là, c'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ben là, hein, on nous répète le messager de terre ici. On se fait longtemps qu'on s'aime. Et regardez, je savais. Donc, on nous annonce. Ah, ben oui, avec mon dos de deck en plus qui est magnifique. OK. Donc, on a ici le 6 de bâton. Donc, on nous annonce en fait une célébration, une victoire. Hein. Le 6 de bâton, c'est une victoire, c'est une réussite. Et en votre autre deck avec le 3 de coupe, moi, ça vient de me couler ça dans le béton. Parce que le 3 de coupe, en fait, c'est des célébrations, des réjouissances. Donc, vous avez trouvé beaucoup de doutes dans une situation. Moi, je pense que c'est une situation avec quelqu'un. Mais bon, on a ici beaucoup de doutes dans une situation. Pas ça fait longtemps qu'on l'espère. Pas ça fait longtemps qu'on espère, en fait, de voir résolution à cette situation-là. On nous dit, il te reste encore du temps à attendre. Puis là, tu sais, on a trois cartes d'attente, là, vraiment en triangle. Là. Donc, oui, vous avez attendu. Vous attendez et vous allez attendre encore. Il faut faire attention de ne pas se placer en position d'attente non plus pour ne pas bloquer. Hein. Donc ça, je le dis souvent, là, on n'attend pas après quelqu'un, on n'attend pas après une situation. On pose les gestes qu'on peut poser, hein, qu'on pourrait poser pour faire avancer la situation. Si d'y écrire à cette personne-là, mettons qu'on parle d'une personne. Si d'y écrire, ça ne vous tente pas, ben, allez-y pas. Là, okay? On pose des gestes concrets qu'on peut faire. Sinon, on continue d'être en foi que cette personne-là reviendra. On peut continuer d'espérer, mais on ne patiente pas, on ne s'assoit pas à attendre sur un petit banc le temps que cette personne-là se décide. Ça, de toute façon, ça ne serait pas vous servir vous. Ça serait pas, je ne pense pas que ça serait un message que votre guide vous transmettrait. OK? Six de bâton. Six de bâton, on m'indique en fait ici la victoire. On m'indique que c'est une réussite. Puis en d'autres decks, avec trois de coupe, mais c'est des réjouissances et des célébrations. Mes consultants, vous avez semé, vous avez sûrement évolué de votre côté, puis on vous dit oui, on le sait. Oui, on est fiers de toi. OK, ça, c'est les guides. Ils sont fiers de vous. Mais moi aussi, j'ai le droit d'être fier de vous. Donc, oui, on est fiers de vous. Oui, vous avez bien travaillé. Oui, vous avez bien évolué. Oui, vous avez attendu. On le sait, on est au courant. Vous attendez encore parce qu'il n'y a pas de résultat pour l'instant, puis vous y restez encore à attendre. Mais on te confirme qu'il y aura une réussite. C'est le message d'aujourd'hui, je pense, qu'on voulait vous livrer. Puis je pense que c'est un message d'espoir, en fait. Donc, parce que quand on attend, puis j'en sais quelque chose, quand on attend, puis qu'on n'a rien qui se passe, puis que nous, on a évolué, puis que nous, on a mis notre main à la pâte, puis qu'on a fait le ménage, coupé dans des liens, puis là, tu sais, on a avancé, avancé, avancé. Mais quand on ne voit pas les gestes, en fait, qu'on ne voit pas les choses avancer, bien, on commence à perdre d'espoir, puis là, on nous demande, bien, continue d'avoir foi, ouais, continue d'avoir foi, ou on nous envoie des signes, puis là, on se dit, bien, arrêtez de m'envoyer des signes, là, cette personne-là ne reviendra pas, ou il n'y aura pas de, j'obtiendrai pas ce que j'ai espéré. Mais là, ce qu'on vous annonce, en fait, c'est un message d'espoir, OK? Donc, on continue-tu d'attendre? Non. On continue d'espérer, mais on continue de travailler pour soi. C'est important. Allons chercher le message d'oracle avant que, c'est pas super, à ma caméra, quand même, on a quand même un bel éclairage. Donc, message de conseil, on commence comme ça. Ici, fait, en tout cas dans ma chambre, désolée, je suis en train de m'étouffer. Il commence vraiment à faire sombre.
on parle de karma. Donc, c'est du karma épuré. Ça se peut qu'on attende ici pour travailler sa patience. Tu sais, j'ai beau dire que j'étais impatiente, mais dans mon attente, j'aurais travaillé ma patience, puis je suis beaucoup plus patiente maintenant que je l'étais. Donc, on parle de libération, mais on traîne de libérer du karma, on traîne de guérir des blessures. Donc, présentement, peut-être qu'on ne voit pas, peut-être que c'est l'autre personne aussi, si ça concerne une personne, peut-être que c'est l'autre personne aussi qui est en train d'épurer du karma, de se libérer de certains schémas aussi également. Qu'est-ce qu'on a ici? Un message spirituel sur message de conseil. Message de libération. Ben écoutez, là, je pense qu'on veut vraiment vous apaiser ce jour, aujourd'hui. On parle du karma, on parle d'abondance qui revient vers vous. On parle aussi de libération de la colère. Donc, on peut être fâché aussi d'être toujours dans l'attente. Hein? Moi, je vais l'avouer candidement. J'ai été en colère des fois avec mes guides parce que j'avais avancé beaucoup, puis je ne voyais pas le retour. Puis on me dit, attends. Puis, ce que j'entendais le plus, en fait, parce que, bon, pour ceux et celles qui, c'est la première fois que vous m'écoutez, vous ne savez pas, mais je fais de la clairaudience, puis je ressens aussi les gens à distance. Donc, par conséquent, c'est ce qui m'aide, en fait, à canaliser des messages. Sérieusement, de cette façon-là que je l'entendais. Patience, patience. Je vais vous dire qu'après quelques mois, le mot patience, je l'avais de travers dans le gorge. Fait que oui, ça m'est arrivé d'être en colère, puis... est-ce qu'on a le droit d'être en colère, même si on est spirituel? Ben oui! Puis là, je vais le répéter pour une millième fois, puis ça, je pense que c'est le message que je vais répéter le plus souvent. On a le droit, on aura toujours le droit, aussi spirituel que vous allez être, parce que vous restez avant tout des humains, et c'est dans la partie humaine, en fait, que vous êtes les plus beaux. OK? Sur le message spirituel... Allez, un dernier message, mes consultants et consultantes, avant que j'aie plus d'éclairage pour leur lire le dernier message. Je me suis acheté une lampe en plus pour travailler quand il fait sombre, mais c'est pas ce que je préconise le plus. Je préfère vraiment la lumière naturelle. Ça, c'est personnel à moi, là. Donc, sur le message spirituel, allez, qu'est-ce qu'on veut dire à mes consultants? Il m'en reste une. Allez vous chercher. Non, elle va pas sortir. Des fois, je regarde sur d'autres chaînes. Ah oui, ça m'arrive. Je regarde sur d'autres chaînes, en fait. Puis, il sort toutes les cartes d'avance. Là, je me suis dit, c'est peut-être pas mauvais. Mais j'aime bien, en fait, les sortir devant vous. J'aime, en fait, les voir moi-même. Lorsque je regarde si les vidéos sont bien enregistrées ou qu'on entend bien le son, j'aime voir les cartes sortir. Je pense que, ben écoute, chacun sa façon de faire. Puis ça, c'est la mienne. Bon. Puis c'est pas juste la mienne, je sais qu'il y en a d'autres chaînes qui font comme moi. Bon, ok, ça suffit, là, je m'exalte tôt. Sur le message spirituel, on vous parle d'éducation, donc oui, il reste des choses à apprendre et on parle de communication, peut-être dans votre façon de communiquer, dans votre façon de communiquer aussi avec votre guide, hein, donc il faut faire attention peut-être, surtout si on a de la colère, là, puis qu'on nous demande de libérer notre colère, bien, ça peut être à ce niveau-là. Je vais aller vous chercher votre carte conseil maintenant. Je sais c'est quoi cette carte-là, puis je pense que ça tombe très bien. Alors, écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu as perdu. Excusez-moi, je recommence. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Je suis désolée, mes poulets, je ne sais pas pourquoi, mais je t'ai appelé à vous en sortir une deuxième pour vous. Fait qu'on va aller chercher une deuxième carte. Ça arrive, j'ai comme entendu une autre, fait que je vais la prendre. Qu'est-ce qu'on a ici? Mes enseignements. Oh, éducation. C'est pour ça que je t'ai appelé à en prendre une deuxième. Alors. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre et grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Quand je vous ai dit, des fois, il vous reste des choses à apprendre. C'est pour cette raison-là. Donc, même si on a beaucoup évolué, même s'ils sont fiers de nous, présentement, ils sont en train de nous dire. En fait, il reste des petites choses à accomplir, des petites choses à apprendre dans notre parcours.
C'est ce qui met fin au choix numéro 3 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura parlé. Moi, je trouve ça très apaisant, ces messages des guides. Puis là, on l'a terminé vraiment à la lumière de la chandelle. Donc, sur ce, je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous dis à lundi pour un prochain tirage. Allez, au revoir!